Il a fait des trucs que je savais même pas qu'ils étaient possibles au trombone. C'était impressionnant. Bonjour, Alain Trudel ici au Mont-Tremblant à l'école Curie-Mercure. Aujourd'hui, la Fondation Evenco fait un grand don au programme de musique de l'école. On va aller voir le dévoilement ensemble. Venez avec moi. Quand tu as joué, je voyais certains élèves, trombonistes particulièrement, qui étaient éblouis, dans le fond. Oh! C'était... il a fait des trucs que je savais même pas qu'ils étaient possibles au trombone. C'était impressionnant. J'ai commencé à jouer à 12 ans. Puis en commençant à jouer, j'ai forgé des amitiés qui m'ont duré toute ma vie. Mais c'est vraiment le trombone qui m'a amené vers ce que plus tard j'allais faire. J'aurais jamais pu s'il n'y avait pas une accessibilité. Qu'est-ce qui nous manque là, en ce moment, là? Des instruments! Les instruments, ça coûte cher. On a des instruments qui datent de plus de 35-40 ans ici à l'école, qui datent d'avant la concentration, qui sont vieillissants. Puis il y a certains élèves qui n'arrivent pas à évoluer plus loin parce que l'instrument est trop vieux et trop désuet. Donc, ça les limite. Fait qu'une fois de temps en temps, il arrive des gens qui sont extraordinaires, comme la Fondation Evenco, qui se disent « Écoutez, on va vous faire un don. On parle de plus de 50 000 $ d'instruments. » On a vu toute la motivation des élèves quand ils ont constaté l'ampleur du don. C'est des années à venir où le programme va pouvoir continuer de progresser puis de faire un impact positif auprès des élèves. 1, 2, 3, 4. Toutes les écoles bénéficieraient d'avoir des cours de musique, ça c'est sûr, pour la discipline que ça amène. De travailler tous ensemble vers un but. Ça nous crée une méthode de travail qui va être utile dans tous les autres domaines. Faire partie d'une concentration musicale, bien, ça permet la persévérance scolaire, puis ça, c'est démontré. Comme Molière disait, le day-to-day, tu sais, il faut faire tout le travail petit peu, petit peu. Par contre, une fois que vous avez fait ce travail-là, vous pouvez faire n'importe quel travail, que ce soit avocat, médecin, n'importe quoi, parce qu'il y a zéro raccourci. Vous vous êtes habitué à faire un projet du début jusqu'à la fin. Le grand effort, c'est le petit effort qui se fait tous les jours. Merci beaucoup. Merci tout le monde.